le Brésil, le football est partout. Comment tu pourrais nous présenter Antoine ? Il est à l'écoute, c'est ce qui est important quand on est jeune. Comme ça. Intérieurement, ça me fait la même émotion que vous. Franchement, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est, voilà, tu lâches la pression. Ton sang, il monte jusqu'à la tête. T'es ému, t'es tout content. T'as envie de courir partout. Tu sais pas quoi faire. Et voilà, j'ai envie de faire plein de choses, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Après, ça dépend. Il y a des matchs où ils sont... où il y a grave de la pression, où il y a d'autres matchs où c'est plus tranquille. Ça dépend du moment. Donc voilà, moi perso sur mes buts, ça dépend du moment. Si c'est un match à haut risque, je vais péter les plombs. Ou si c'est un match tranquille, je vais rester calme. Le vivre soi-même, c'est un truc de malade et je le souhaite à... Enfin, c'est une sensation qu'on ne peut pas acheter, donc du coup... C'est sûr qu'avant tout, pour soi, c'est quelque chose, mais on se dit que c'est aussi pour des milliers de... personnes qui nous suivent. En sélection contre l'Ukraine par exemple, je suis devenu fou. Après en club contre le Barça, je suis devenu fou. Ça dépend en fait. C'est un truc de fou. Moi ça fait... Et des fois je suis calme.